Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on présente un petit V8 Atmo. On est avec David. Salut David, comment tu vas? Impeccable, et toi? Impeccable, ça va parfaitement aussi. Tu nous ramènes un petit S5 aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire un an que je l'ai. J'étais un puriste BM, ouais. J'ai voulu goûter un petit peu à Audi, au petit Quattro, voir ce que ça donne. À différencier de la propulsion du Quattro. Voilà. C'est vrai que bah, du coup ça change vachement. Hein. Ah, quand oui, on est habitué dans les petits chemins que ça chasse. C'est puis là qu'on peut mettre pied dedans dans les virages. Oh, puis c'est un vrai petit karting. Niveau prix, tu peux nous dire combien? Ben, j'ai acheté ça 18 000. Et là, combien de bornes? 150 000. C'est quoi la cylindrée déjà? C'est un 4 litres 2 V8 et 356 chevaux. Tu connais les Newtons un petit peu? 800, 890, je crois. Ok, ah ouais, c'est sympa. Ouais. Ah oui, putain, quand même. Du coup, extérieurement, tu peux nous dire ce que t'as fait dessus? Le Quattro, ça c'est toi qui as rajouté. Ça rend super bien. J'ai la lame aussi qui a été rajoutée. Parce que ça, t'en as une autre qui est plus petite. Ah putain, ouais, j'en ai ok. Qui est plus prononcée. Mais il va falloir que je la change parce qu'elle a été cassée sur le côté. Ouais. Tu vas mettre quoi à la place? Je vais remettre la même chose. La même, juste tu vas la refaire ou tu vas la changer? Je vais la changer parce qu'elle est cassée sur le côté. Ça se voit pas trop. J'ai changé les logos, je les ai tous mis. Ouais, en noir, ouais. Ta calandre, je vais la mettre en full black aussi, comme les anti-brouillards. Tu vas changer de calandre ou tu vas la repeindre? Je vais la changer, je vais la mettre en nid d'abeille. Nid d'abeille, putain, ah c'est mes préférés celle-ci. J'ai repeint les caches anti-brouillards. Normalement la bande est grise. J'avoue, en vrai ça rend mieux. Hein. Faut que j'ai toute la face avant après qui sera en noir. Ouais, ah ouais, bah oui, c'est sûr, ça rendra bien. Ça, tu vas les laisser ou pas? Oui, aussi. En chrome aussi? Ouais. Ouais, vu que c'est des fois, il y en a qui aiment bien faire vraiment tout noir. À l'arrière, j'ai les logos qui ont été changés aussi. J'ai le petit aileron de Maxton Design. Et après, bon, bah, je vais voir pour le diffuseur si je change ou pas. En bas là? En bas là! Je mettrai en noir aussi. Tu comptes la garder sur le long terme la voiture? J'aime bien changer donc. Ouais, moyen terme quoi. J'aurai voilà. Encore une petite jusqu'à année. Jusqu'à temps que j'aurai envie de changer. Ouais, c'est ça, okay. Et après, t'as la ligne complète. Miltech. Ah, c'est même pas d'origine. Non. Les vitres teintées. Ça, c'est toi qui as rajouté aussi? Bah, je l'ai eu comme ça. Deux, trois petites finitions en carbone dedans. Ça reste du sobre. Ouais, t'as voulu faire dans le simple. Pareil, là, le V8, ça, normalement, c'est chromé ça. Voilà. Je vois que tu bricoles un petit peu ta maison. Oui. Ouais, t'aimes bien ça, bricoler un peu les maisons. Le morceau de cuivre comme ça, je me doute bien, ouais. On va ouvrir le capot. T'as tout laissé d'origine? Oui, je vais peut-être faire un stage dessus. Je suis en réflexion après avoir avec l'éthanol. Bougies ont été changées, bobines d'allumage ont été changées. Tout est d'origine. Ah, il est sympa le bruit. Maintenant, on va aller l'essayer. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Tu fais exactement ce que tu veux. Ah, le bruit est vraiment beau. Hein. Ah, ça fait limite V8 américain. Ouais, c'est vrai. Le bruit? Ouais, un ouais, petit peu. Oui. Déjà, je chantais bien au départ. J'avais le silencieux dessus. Vachement un V8 américain quand même. Et je l'ai mis en complet, ça chante encore plus. Ah, même dedans, on entend bien quand même. Ouais. Ça ronronne bien de l'intérieur. Putain, j'avoue, je pensais plus au GoPro. Ouais, je les avais zappés. Ouais, de toute façon, derrière, il va nous dire s'il y en a une qui tombe. Il fera le ramasseur. C'est comme les gens en vélo là. Ce serait lui qui ramasserait les GoPro derrière. Ouais, je vois un petit peu de clean, ça va pas faire de mal. T'es de Nantes? À la base, je suis de Nantes. C'était des enfants qu'on a vus tout à l'heure. Non, c'était la GTR. Oui. Lui, il est passionné aussi de voiture. Oui, il adore. Il a quoi? Il a été baigné dedans. Ouais. Ouais, il a eu Golf GTI. C'est exactement ce que je pensais. Alors j'ai une spéciale dédicace pour Dylan. Ouais. Prêt.
compagnon. Encore. Il a dit dans les virages pas trop. Fais pas ça devant le rasso, sinon on va pas pouvoir rentrer après. Je te laisse au rond-point. Ouais. C'est largement mieux passager en fait. C'est trop bien. Et encore, il y a que 300 chevaux. En vrai, elle est vraiment bien sa caisse. C'est trop facile à conduire. Elle est vraiment bien sa caisse. Pas les virages, pas les virages, il a dit Boris. Oh le bruit, mec. Par contre, c'est trop bête parking, on pensait que c'était là. Oh, merde. Merde, putain, fais chier. En vrai, ça va, on l'a pas saigné, ça. Non, mais... Bordel de merde. En fait, faut que ça soit nous qui conduisons les voitures. Bah ouais. Parce qu'on s'en tape les couilles, bordel de merde. Bah. Non, c'est pas à gauche, je crois. Oh, mais si, faut que ça soit. Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et s'ils sont 15 derrière la télé. Ferme ta gueule, filme. Toi, t'es caméraman, tu niques ta mère. Ferme ta grande gueule. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Pourquoi? Et surtout, ça me fait péter les plombs, ça fonctionnait bien tout à l'heure. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre plus gros like. Le seul moyen de pouvoir nous remercier, pouvoir vivre tout ça, c'est bah juste de laisser un gros pouce bleu, un abonnement, des commentaires et nous dire si vous kiffez ou pas pour pouvoir continuer avec que des putains de voitures de merde.